qui m'a séduit, c'est la danse, comment il faisait et ce qu'il nous faisait passer par la danse qu'il faisait avec les lumières, le personnage. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la relation entre le personnage principal et le dessin. C'est vraiment poétique, toute la mise en scène, tout ça. Avec ce personnage, Elix, c'est un peu un écho au Petit Prince de Saint-Exupéry et qui revient nous parler de loin, peut-être en s'étant troublé pour nous rappeler un peu au droit chemin, quoi, de l'importance de prendre soin de la nature et de notre environnement, parce qu'on n'en a qu'un pour l'instant. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de rêver à un avenir meilleur, mais aussi à un moment présent meilleur, parce que c'est une forme de méditation, la poésie, c'est être présent et à l'écoute du monde extérieur et du monde intérieur aussi, c'est un dialogue entre les deux, et du coup c'est une force et c'est un outil aussi d'expression de la liberté extrêmement important.